Ok. Présidente de la Fédération. Ouais, ouais. Oui, je t'entends, je t'entends. Je t'entends, tu m'entends? Ouais. On s'entend. Dans 2 minutes, ok. La région Île-de-France, le comité régional d'escrime d'Île-de-France et la Fédération française d'escrime vous présentent l'étape française de la Coupe du Monde de fleuret féminin. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le réseau Via pour, vous le voyez, un après-midi de sport en ce dimanche. On est dans la troisième et dernière journée de compétition dans cette étape de Coupe du Monde de fleuret féminin, une compétition qui a démarré vendredi. On a pu suivre hier la compétition en individuel en compagnie d'Anthony Auray qui est à mes côtés, ancien membre de l'équipe de France. Salut Anthony. Salut Cédric, bonjour à tous. On est donc lancé dans cette troisième et dernière journée de compétition. Je le rappelle, c'est la seule étape de Coupe du Monde en France pour ces filles, ces tireuses qui font partie des meilleures de la planète. Elles sont même les meilleures de la planète. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure la grande finale de la compétition entre la Russie et l'Italie. Autant dire un sommet des sommets dans le fleuret féminin. En attendant, vous entendez peut-être les cris sur les pistes parce qu'on continue de combattre. Il y a notamment le match pour la troisième place qui est en cours entre le Japon et la Hongrie. Vous le voyez, pour l'instant, les Hongroises sont en train de mener 14 à 9 dans cette petite finale. Ce sont donc les deux nations qui ont été éliminées au stade des demi-finales, battues pour la Hongrie par l'Italie, qu'on retrouvera donc tout à l'heure en finale. Les Japonaises, elles, ont été éliminées par les Russes. Voilà, ça c'est le match pour la troisième place qu'on vous laisse suivre, évidemment, qu'on va suivre ensemble. Un mot également pour dire que dans le même temps, sur une autre piste, l'équipe de France est en train de disputer un match pour la cinquième place, pour terminer donc à la cinquième place de cette Coupe du Monde, de ce challenge international ici à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Et ce match pour la cinquième place pour la France, c'est face aux États-Unis pour l'instant, ce sont les Américaines qui mènent 9-7. Vous le voyez à l'image, à gauche de votre écran, voilà, sur la piste bleue. Les Françaises opposées aux Américaines. Mais on va rester, Anthony, donc avec toi sur cette petite finale entre le Japon et la Hongrie. Pour l'instant, ce sont les Hongroises qui ont le mieux démarré ce match avec un score, vous le voyez, de 15 à 10. Si vous y étiez avec nous hier, vous avez pu peut-être prendre des notes pour, si vous découvrez l'escrime, eh bien connaître et apprendre les règles aussi de ce sport. On va rappeler que là, le déroulé d'un match est un petit peu différent, Anthony. Hier, on avait dû 3 fois 3 minutes avec la première des deux fleurettistes arrivée à 15 points. Là, on a 9 fois 3 relais, c'est ça? C'est ça, c'est 9 relais de 3 minutes, 5 touches. On doit aller à chaque fois en 5, donc 5, 10, 15, 20. Si on ne va pas au bout de ce relais, c'est la copine derrière qui doit ensuite aller jusqu'à cette somme.
Voilà, et pour l'instant, vous le voyez, on est dans la quatrième manche. Elle va démarrer plutôt cette quatrième manche, quatrième relais. Donc voilà, soit on va à la fin des 9 fois 3 minutes, soit la première des deux nations qui atteint les 45 points, eh bien, l'emporte dans ces rencontres. Et donc les Hongroises qui en sont pour l'instant donc à 15 à 10. Ouais. Les Hongroises qui ont fait un beau parcours en éliminant le Canada et notre équipe de France, justement, malheureusement pour nous. Mais elles ont montré beaucoup d'agressivité, beaucoup de combativité. Et dans cette qualification olympique importante pour elles, elles marquent beaucoup de points. Voilà, merci de le rappeler, Anthony, parce qu'on le rappelle, c'est l'enjeu peut-être crucial de cette étape de Coupe du Monde, qui est toujours un événement important évidemment dans toutes les saisons pour les tireuses que l'on voit ici à l'image. Mais en effet, il y a pour cette année-là, cette saison-là qu'on est en train de vivre, eh bien, au bout du tunnel, les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Et eh bien, on est tout simplement là en train de voir des compétitrices, des athlètes qui veulent aller chercher leur ticket pour le Japon l'été prochain. Et ça passe beaucoup, Anthony, par la compétition par équipe, on l'a dit hier, mais on le rappelle. Ouais, ça passe beaucoup par cette compétition par équipe, tout simplement parce que ça permet de qualifier 4 tireuses de son pays pour Tokyo. Alors que si la nation ne se qualifie pas justement par équipe, on peut en qualifier maximum 2, ce qui est beaucoup plus compliqué. Voilà, et la bonne nouvelle qu'on attendait pour ce week-end, l'objectif qui était annoncé, on l'a entendu hier par notamment l'entraîneur Emery Clot de nos fleurettistes françaises, c'était de terminer sur le podium de la compétition pour justement eh bien, se mettre dans de très bonnes conditions pour prendre la direction de Tokyo. Eh bien, ça s'est mal passé donc pour nos Françaises avec cette défaite en quart de finale contre la Hongrie, une défaite 45 à 38. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. C'est une compétition, on peut le dire, ratée hein, sur cette épreuve par équipe. On attendait autre chose. L'an dernier, la France avait réussi à remporter justement cette Coupe du Monde de Saint-Maur. Là, s'arrêter au stade des quarts de finale, c'est une grosse déception. Surtout que sur le papier, face à la Hongrie, la France était favorite. Après, on sait que le papier, hein, c'est juste des écrits. Il faut prouver sur la piste. Nos Françaises n'ont pas réussi. Ça manquait un peu d'agressivité selon moi, ça manquait aussi de réussite sur le final d'action. Il faut travailler et il reste encore d'autres échéances justement pour se qualifier. Voilà, il y a plusieurs étapes, hein, plusieurs étapes de Coupe du Monde. Toute cette période qualificative, elle va aller jusqu'au mois de mai prochain. Donc nos Françaises auront évidemment l'occasion de se rattraper, mais c'était... Il faut le dire, une superbe occasion parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est la seule étape en France de Coupe du Monde. Donc c'était l'occasion de faire un, peut-être pas de valider complètement le ticket, mais de faire une belle opération. Qui plus est sur le sol national, ça aurait été un joli coup double. Mais ça s'est donc arrêté en quart de finale pour notre équipe de France qui est classée numéro 3 mondiale. Hein, nos Françaises, elles ont été éliminées donc par ces Hongroises que l'on voit en ce moment en train de se battre pour décrocher... la médaille d'argent dans ce challenge international ici à Saint-Maur, la Hongrie... Médaille de bronze, c'est le match de la troisième place. Match de la troisième place, ouais. Médaille de bronze, pardon, évidemment. Médaille de bronze pour les Hongroises. C'est ce qu'elles cherchent à obtenir là face au Japon. Elles sont bien parties. La Hongrie, 11e nation mondiale. Les Japonaises, elles, sont 5e. Ouais, les Japonaises qui sont entraînées par un coach français que vous pouvez peut-être voir à l'écran en rouge, Franck Boisdin. Franck Boisdin qui était entraîneur national... de l'équipe de France il y a encore 3 ans. Et après Rio, il a eu cette opportunité d'entraîner justement les Japonaises pour essayer de leur offrir une médaille olympique à la maison. L'équipe du Japon qui est très jeune. Hein. Deux sœurs, les deux Azuma. Mais ça dépasse pas 21 ans, je crois, pour cette équipe japonaise. En face, on a un petit peu plus d'expérience. Hein. Les Hongroises qui tournent autour des 25 ans. Les Hongroises qui ont été battues au tour précédent par l'Italie, 45 à 28. Le Japon a sombré face à la Russie, 40 à 21. On peut dire des scores assez lourds hein, pour la Hongrie et le Japon dans cette compétition. Signe encore hein, évidemment du gap qu'il y a par rapport à ces top nations mondiales que sont la Russie et l'Italie, qu'on va retrouver hein, tout à l'heure en direct évidemment sur VIA. Pour cette grande finale, pour ce remake
de la dernière finale du championnat du monde. C'est pas rien donc ce qu'on va avoir tout à l'heure, mais pour l'instant donc Hongrie et Japon ont plafonné, on va dire, face à ces équipes là évidemment qui sont au-dessus, la Russie, l'Italie, mais qui font clairement une belle compétition. Et la Hongrie, on peut le dire, fait partie des très belles surprises aujourd'hui dans cette compétition par équipe. Là vous avez pu voir aussi la rapidité, c'est vraiment typique des Japonais, cette rapidité au niveau des jambes sur cette action. Vous les voyez très mobiles, hein. Hier, si vous nous avez suivis, vous avez pu voir des tireuses très portées sur la distance. Au Japon, c'est beaucoup plus sur la mobilité des jambes, sur la rapidité. C'est reconnu autant chez les garçons que chez les filles. Voilà, on parlait, on a vu hier dans la compétition en individuel deux Italiennes avec en effet ce combat à distance un petit peu entre Battini et Volpi, hein, qu'on va retrouver tout à l'heure. Volpi qui a remporté la compétition en individuel. Il y a comme ça des cultures de fleuret en fonction des nations. En fonction des nations, oui, il y a vraiment l'ADN un peu du pays. En France, on est très réputé pour savoir faire beaucoup de choses. Peut-être parfois trop, on a peut-être tendance parfois à se mélanger un petit peu. On va prendre sur une nation asiatique comme le Japon, vraiment la mobilité, la rapidité. Après, l'Italie s'est vachement portée sur cette notion de distance, de technique aussi. Voilà, chaque nation a un peu son ADN, son escrime. C'est pour ça aussi que beaucoup de coachs aujourd'hui, beaucoup de coachs étrangers sont appelés par d'autres nations pour justement peaufiner et apprendre encore plus sur l'escrime. Allez, les Hongroises qui sont toujours devant, 19-15 dans cette petite finale, dans ce match pour la troisième place. La France, elle est en tête, hein, dans son match pour la cinquième place. On essaye, tout en suivant ce Japon-Hongrie, d'avoir un petit œil de notre côté sur ce que fait notre équipe de France. Elle est en train de mener pour l'instant 18-12. Face aux États-Unis dans ce match pour la cinquième place. Voilà, alors on va également rappeler des élémentaires, pardon, pour ceux qui connaissent l'escrime et qui connaissent déjà tout ça par cœur, mais c'est peut-être pas le cas de tous les spectateurs qui nous suivent sur le réseau VIA. On rappelle que le fleuret, c'est une arme d'estoc, on touche avec la pointe, que la zone valable, c'est la zone grise que vous apercevez sur le corps et sur l'équipement des athlètes. Il y a donc cette partie-là en dessous du cou qu'on appelle la bavette, et puis toute la partie donc du haut du corps, le buste, que vous voyez, qui est donc valable. Si on touche en dehors de cette zone grise, eh bien, les points ne comptent pas. Et on va rappeler également la règle de priorité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux points en même temps, il y a priorité qui est donnée pour marquer à la tireuse qui est à l'offensive. Exactement. Pas de double touche, contrairement à l'épée. Au fleuret, on a une histoire de priorité. Donc priorité à la personne qui va attaquer. Pour reprendre cette priorité, c'est simple, il suffit d'écarter la lame de son adversaire de la zone de sa cible pour pouvoir ensuite réattaquer. Donc on vient avec la lame taper la lame de l'adversaire pour pouvoir ensuite aller chercher une action offensive. Ce qui fait du fleuret d'ailleurs, on va dire, une arme considérée comme un peu plus technique, un peu plus compliquée peut-être que les autres en termes de zone valable. Il y a ça, mais il y a aussi l'histoire des priorités. Tout ça cumulé, ça fait quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et ça provoque aussi plus d'échanges, contrairement aux autres armes où là, par exemple, en épée, on peut toucher ensemble. Le touche double sont acceptés. Au fleuret, c'est plus des échanges, voilà, des fausses attaques. On va tenter l'adversaire de faire quelque chose pour pouvoir ensuite aller jouer dans son jeu. Voilà, c'est plus comme un dialogue un peu. Ouais. Une discussion entre deux tireurs qui vont et viennent pour ensuite pouvoir trouver la faille. Allez, on est toujours avec ce match pour la troisième place. C'est les Japonaises qui sont bien revenues à 19 partout dans ce quatrième des 9 relais. Vous voyez, il reste moins de 30 secondes maintenant de temps effectif dans cette petite finale. Ici, la touche qui est donnée à la japonaise, la hongroise qui n'est pas d'accord. Une petite touche d'avance pour le Japon. C'est la hongroise Gondrick qui rentre en piste. Voilà, on parlait de cette surprise de voir la Hongrie à ce niveau-là. Un élément qui va un petit peu dans le sens également, c'est qu'hier dans la compétition en individuel, on n'avait pas de Hongroise, hein,
prises individuellement qui étaient présentes en huitième de finale dans le tableau de 16. Par contre, il y avait plusieurs japonaises, deux japonaises qui étaient présentes. Voilà pour un petit peu préciser la force de ces deux équipes que l'on voit, le Japon qui a donc placé hier deux athlètes dans le tableau de 16, aucune pour la Hongrie, mais on le répète, on pense à Tokyo aujourd'hui, on pense aux Jeux Olympiques, et c'est cette compétition-là qu'on est en train de suivre, cette compétition par équipe qui peut tout changer. Avec d'autres, bien sûr, qui arriveront plus tard dans le calendrier. Encore, hein, vous pouvez le voir à l'image, cette Azuma-là. Alors, il y a deux sœurs. Hein. Il y a Rio et Senna. Là, c'est la petite sœur. Et vous pouvez voir cette mobilité qu'elle a, les déplacements devant, derrière, pour ensuite pouvoir bien attaquer. Pour la Hongroise, c'est un jeu un peu plus calme. Elle est plus grande aussi que son adversaire. Et dans le même temps, la France se détache. Hein, 22-13 dans le match pour la cinquième place. Notez, justement, on parlait de qualification olympique. L'équipe des États-Unis qui a perdu sa leader, hein, Nicole Ross, qui s'est blessée, qui s'est fait les croisés. Donc pour elle, le rêve olympique qui s'arrête là, malheureusement. Et ça va compliquer peut-être un petit peu aussi la tâche des Américaines, même si elles sont plutôt bien parties. Mais c'est un coup dur même pour tout espoir de médaille en cas de qualification pour Tokyo. Les États-Unis, c'est la quatrième nation mondiale. La France, on le rappelle, troisième. Et puis, puisqu'on est dans le fleuret, puisqu'on parle de Tokyo, puisqu'on parle des Jeux Olympiques, on va quand même dire un mot, Anthony, de ce qui se passe justement du côté de Tokyo, où on a notre équipe masculine qui a brillé du côté du Japon dans une étape de Coupe du Monde, hein, similaire à celle qu'on est en train de vivre chez les filles aujourd'hui à Saint-Maur. Les Français ont brillé. Les Français ont brillé. Hier déjà, en individuel, Maxime Potti qui a décroché la deuxième place. Enzo Lefort, champion du monde en titre, qui finit dans le top 8. Donc, deux bons résultats en individuel. Et aujourd'hui, par équipe, plutôt cette nuit pour nous, mais ils ont décroché l'or tout simplement par équipe en battant les États-Unis. Les États-Unis qui restaient sur 3 ou 4 victoires consécutives en Coupe du Monde. Première nation mondiale, les États-Unis chez les hommes. Donc très belle performance des garçons qui eux ont décroché officiellement leur qualification pour Tokyo par équipe. Et voilà qui met un peu de baume au cœur pour l'escrime français évidemment dans ce week-end qui a été, on l'a dit, plus compliqué pour nos filles avec cette défaite en quart de finale 45-38 face à des Hongroises qui sont en train maintenant de faire d'être dépassé par les Japonaises dans cette partie 5e des 9e manches en cours. Il reste une 40 dans ce 5e acte, 22-20 pour le Japon. À noter aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais en sabre, les filles qui étaient du côté de Salt Lake City et Manon Brunet qui a aussi décroché une 3e place à cette Coupe du Monde. Donc on peut dire que l'escrime française se porte plutôt bien ces derniers temps, avec pas mal de bons résultats, en espérant que tous ces bons résultats se concrétisent ensuite à Tokyo. Voilà, et puis pour ce qui est de nos fleurettistes, puisqu'on est en plein dans le fleuret cet après-midi en direct sur le réseau Via, notre équipe de France, elle avait quand même été en demi-finale des championnats du monde en juillet dernier, voilà qui met encore un petit peu plus en perspective malheureusement cette mauvaise prestation aujourd'hui en terre française, ici à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Et pour ce qui avait été des championnats d'Europe, et bien là la France est vice-championne d'Europe en titre, battue simplement par la Russie en finale, c'était au mois de juin dernier. Voilà, donc Anthony dit que l'escrime français se porte bien. L'escrime française, voilà, on a aussi dans le fleuret féminin des bonnes choses qui ont été faites avec la génération qui est en cours. On va juste dire que sur ce week-end, malheureusement, ça n'a pas été un bon moment. Voilà. C'est vraiment une contre-perf parce que tout simplement, l'équipe de France féminine de fleuret, ça fait à peu près un an qu'elle ne sort pas du podium. Là, ça fait quasiment un an et bon, aujourd'hui, elle ne dépasse pas le top 8. C'est forcément une déception. C'est forcément une déception, mais ça prouve quand même la régularité de cette équipe de France et la contre-performance de ce week-end. On n'a pas à douter non plus du futur pour ces quatre filles.
Voilà, on entendra hein, tout à l'heure. Restez bien avec nous, on aura des interviews notamment de Solène Butry qui viendra nous parler, l'une des membres de cette équipe de France. Elle fera pour nous le bilan de cette compétition. On entendra également Laurence Vallée-Modène, hein, la directrice technique nationale. À notre micro, on entendra également tout à l'heure la présidente de la Fédération française d'escrime, Isabelle Lamour. Ça, c'est des interviews pour tout à l'heure. En attendant, on reste avec cette petite finale entre le Japon et la Hongrie. 23-21 pour les Japonaises. Les Japonaises qui ont pris deux touches d'avance face aux Hongroises. À voir comment ces Hongroises vont justement réagir. Est-ce qu'elles vont avoir la capacité de rebondir pour reprendre l'avantage? On sait l'importance de cette troisième place pour elles. Là, c'est Fanny Kreis en piste face à Tsuji. Madame, s'il vous plaît, on garde le masque. Vous pouvez avoir le red one si vous voulez. Please take the mask and pants. Tsuji et Kreis. Allez, vous le voyez tout à gauche hein, de votre écran. Piste bleue, c'est l'équipe de France qui est en train pour l'instant d'assurer tranquillement la cinquième place dans ce challenge international de Saint-Maur. Plus 10, 25-15. Maintenant, face aux États-Unis. Les deux tireuses là qui se regardent un petit peu. Grosse attaque de Kreis qui ne touche pas. Là, c'est la phase de préparation. C'est la même action que juste avant. Tsuji qui touche non valable sur une zone donc blanche. La japonaise qui décide de ne pas y aller. Hein. Elle a deux touches d'avance. C'est à la hongroise d'aller chercher les points. Voilà. Elle use un peu son adversaire. Elle la fait tomber dans le vide. Et là, elle décide d'attaquer pour surprendre. Malheureusement, elle ne touche pas. L'arbitre qui avait décidé d'arrêter le combat pour un corps à corps. Un corps à corps qui n'est pas autorisé au fleuret. Peut-être sanctionné d'un carton. Les Hongroises qui avaient été plutôt performantes hein, sur la toute première étape de la saison, toute première étape de Coupe du Monde du côté du Caire en Égypte. Elles avaient terminé à la sixième place. Elles sont en train de monter là crescendo, alors que les Japonaises, elles, avaient terminé 11e. Donc voilà, on est dans ces nations qui montent et qui performe régulièrement sans pouvoir aller chercher les top nations qu'on va rappeler, ouais. Hein, l'Italie, la Russie qu'on retrouve tout à l'heure en direct, et puis il y a la France, les États-Unis. Mais c'est encore compliqué pour ces nations-là d'aller chercher les top nations que sont la Russie ou l'Italie. C'est encore trop fort. Le principe de l'équipe, c'est simple. Hein. C'est par relais, il y a forcément un ordre en fonction du niveau des tireuses. C'est dans l'idée toujours la plus forte de l'équipe qui termine le 9e relais. Après, l'épreuve par équipe, c'est vraiment particulier. C'est une autre atmosphère. On tire plus que pour soi comme un individuel. On tire pour son pays, pour ses copines aussi qui sont derrière. Et donc, c'est pas forcément la même pression. Voilà, c'est un peu comme au tennis, hein, une Coupe Davis. Voilà, on est en ambiance Coupe Davis. Et ça arrive parfois que le meilleur de l'équipe ne tienne pas cette pression, justement. Et il y a d'autres tireurs qui, justement, se transcendent lors de cette épreuve par équipe. Là, ça se jauge encore. Hein. Kreis, la hongroise, qui a du mal, qui a un petit peu une crainte d'attaquer cette japonaise. Et c'est la japonaise qui fait le jeu et qui arrive à toucher. Ça commence à faire un petit avantage intéressant pour les japonaises. 4 touches d'avance. Et ça va obliger les hongroises à devoir attaquer un petit peu plus.
Alors bien sûr, il y a encore du temps. Hein. On est au sixième relais. Bien sûr, ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pas à une seule personne de remonter le score, mais à toute l'équipe, bien sûr. Allez Anthony, on va aller prendre des nouvelles de l'équipe de France dans son match pour la cinquième place. Voilà, on est avec Isa Horatibus, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est là dans son relais, le sixième dans ce match pour la cinquième place. Donc l'enjeu, il est clair, terminer devant les États-Unis et finir dans un top 5 qui va venir, pas complètement faire oublier le mauvais parcours aujourd'hui, mais qui sauvera quelque peu les apparences. Et pour l'instant, l'équipe de France est en train de mener 27 à 20 face aux Américaines. Ouais, c'est important de finir aussi sur une bonne note. Là, c'est le dernier match de la journée, le dernier match du week-end de Coupe du Monde pour nos Françaises. Et il faut finir sur une victoire. Ça laisse pas le même goût qu'une défaite, forcément. Voilà, la prochaine étape de Coupe du Monde, hein, pour toutes les tireuses qu'on voit ici aujourd'hui, ce sera à Katowice, en Pologne. Au mois de janvier prochain. 10 et 11 janvier. Ah, les compétitions qui s'enchaînent. Hein. Là, ça va être important durant ces fêtes aussi de garder du physique. Il n'y a pas de repos dans cette période-là pour toutes ces tireuses. Bon, on va dire qu'en année olympique, c'est peut-être plus facile de rester pleinement concentré. Ouais, y a cet objectif au bout qui forcément... donne cette envie. Allez, septième relais qui va démarrer entre le Japon et la Hongrie. Les Japonaises qui ont retourné l'affaire, hein, dans cette petite finale. Tout à l'heure, elles étaient menées par les Hongroises. Et là, les Japonaises sont en train de remettre les choses à l'endroit, qui occupent la cinquième place mondiale face aux 11e, les Hongroises. On rappelle, hein, les scénarios possibles, soit on arrive au terme des 9 relais. Pour l'instant, on est donc dans le 7e. Vous le voyez, c'est ce petit 7 sur 9 qui s'affiche juste en dessous du temps sur votre écran. Soit une des deux nations va à 45, ce qui va peut-être être compliqué là dans cette opposition entre japonaises et hongroises où peu de points sont marqués, on va dire. Ouais, ça se jauge pas mal. Les hongroises qui veulent prendre leur temps pour essayer de remonter. Les japonaises, eux, qui... gère un peu plus justement ce chrono. Plus le temps passe, plus c'est à leur avantage forcément. Et c'est pourquoi les Hongroises doivent aussi augmenter un petit peu la cadence au niveau des touches. Alors bien sûr, il reste 3 fois 3 minutes là encore de temps effectif sur toute cette rencontre. Et malheureusement, pour les Hongroises, elles ratent un peu tout ce qu'elles entreprennent sur leurs actions offensives. Les Japonaises qui ont des petits gabarits aussi, on peut le voir. Hein. C'est vif, c'est rapide, mais il y a moins de surface due à leur taille. Voilà, on l'a pas dit, hein, sur le plan large, vous avez aussi d'autres matchs, hein, de classement que vous avez pu apercevoir, que ce soit sur la piste verte, piste rouge ou piste jaune, des matchs de classement en cours. Celui qui nous intéresse évidemment particulièrement, c'est celui de notre équipe de France qui continue son petit bonhomme de chemin avec un plus 10 toujours au tableau d'affichage, pardon, 30-20. L'Hongroise qui essaye de déclencher une attaque et qui tombe dans le vide. La japonaise qui travaille bien défensivement. Toujours autant de mobilité, elle vient presser. Mais elle est partie de beaucoup trop loin là pour toucher son adversaire. Et c'est la Hongroise qui réussit à placer cette contre-attaque. Allez, plus 5 quand même toujours pour le Japon. C'est une place sur le podium qui joue tout simplement entre ces deux nations. En attendant la finale tout à l'heure qu'on suivra aussi ensemble entre la Russie et l'Italie.
prestigieux de venir, quel que soit le résultat de la finale, venir inscrire le nom de sa nation derrière ces deux monstres du fleuret, la Russie et l'Italie. Et pour l'instant, c'est le Japon qui fait la course en tête. Les Japonaises sont impressionnantes quand même parce que malgré leur jeune âge, elles montrent une maturité justement sur cette rencontre. Là, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'agacement quand elles ratent une action. Et elles sont juste en train de petit à petit creuser encore un peu plus le score. Voilà, les Japonaises, elles, pour Tokyo, elles sont tranquilles. Les Japonaises, pour Tokyo, sont tranquilles. Elles sont à domicile, elles sont déjà qualifiées. Voilà, donc là, l'enjeu et tout le travail, j'imagine, qui peut être effectué au niveau du collectif de ces fleurettistes japonaises est certainement un peu différent parce qu'il n'y a pas cette carotte, j'allais dire, à aller chercher cette qualification pour les Jeux Olympiques, mais il y a l'honneur de tout un pays à défendre et pour ça, il faut se préparer. Il y a cet honneur et puis il y a aussi quand même le classement mondial qui jouera pour Tokyo puisque le tableau ensuite sera défini selon sa place au classement mondial. Pour éviter une grosse nation dès le début, il faut être bien classé. Donc forcément, plus on gagne de points, mieux on est placé. C'est aussi le travail de ces Japonaises qui est en train d'être fait. Et elles travaillent forcément plus tranquillement, mais d'autres choses. Hein. Peut-être justement des schémas tactiques en fonction qui commence les assauts, qui va terminer justement cette rencontre, voir qui est la plus solide en cas de score en son avantage, ou alors qui va justement avoir cette faculté à pouvoir remonter un score. C'est comme ça qu'on crée une équipe. Voilà, et c'est comme ça aussi que les entraîneurs savent sur qui ils peuvent compter, qui ils peuvent aligner au moment de démarrer un rendez-vous planétaire comme les Jeux Olympiques de Tokyo. Il y avait 23 nations qui étaient présentes au début de cette compétition par équipe. Vous le voyez, un challenge international de Saint-Maur. 23 nations qui étaient présentes au tout début de cette compétition par équipe en ce dimanche. Et là, on est avec les meilleurs. Japon-Hongrie se battent pour la troisième place. Et tout à l'heure, donc Russie-Italie. Il va falloir quand même essayer d'aller en chercher. Même s'il ne faut pas se précipiter, il faut essayer. Et c'est ce que fait la Hongroise Flora Pastor. Qui vient prendre cette touche là. La Japonaise, c'est simple. Hein. Elle ne va pas aller chercher. On la voit. Elle n'a pas avancé pour le moment. Par contre, elle va se défendre dès que la Hongroise va lui débouler dessus. La Japonaise, c'est Sumire Tsuji, 27e mondiale, qui en effet est embarquée certainement avec toute son équipe là, dans une opération gestion de ce résultat, de ce score pour l'instant. Là, les deux tireuses ont raté le coche, ont raté la cible. Cette action, Flora Pastor l'a fait très bien. Et c'est non valable. Pour le moment, ça ne compte pas de points. Ce qui est compliqué pour la Hongroise, là, c'est qu'elle doit gratter des touches sans en prendre. Elle doit remonter un petit peu le score. Mais à chaque action offensive, on sent une petite retenue de sa part. Elle est moins décontractée que lors du début de journée, notamment face à la France. Face à la France, elle a fait du bon travail. Voilà, elle doit permettre aussi vraisemblablement, on t'en parlait tout à l'heure, à sa numéro 1, à la Hongroise la mieux classée derrière, de venir intervenir pour le 9e et dernier relais. Et donc il faut aussi garder une distance qui soit encore rattrapable pour ce dernier relais. C'est toute la mission là de la Hongroise, alors qu'il y a 5 touches d'écart, vous le voyez, 30-25 pour les Japonaises.
Pour le moment, elle est sur, il me semble, si je ne me trompe pas, sur un 2-0 sur ce relais. Et c'est, là, elle s'en veut justement parce qu'elle sait que le travail est compliqué de remonter sans faire d'erreur. C'est la japonaise qui avait pris l'initiative. Hein. Elle avait surpris la hongroise. La hongroise qui était un peu restée statique. Et avec un peu de chance, elle vient toucher cette japonaise qui rate la cible. Allez, la hongroise là qui attend la japonaise qui change de fleuret. Ouais, c'est aussi pour casser un peu le match, pour casser la dynamique. C'est des moyens ça, comme ça qui existent. Refaire son lacet, remonter ses chaussettes, changer d'arme. C'est pour couper un peu la stratégie de l'adversaire. Et je vous rappelle qu'on a toujours un œil hein, sur le match pour la cinquième place de notre équipe de France. Les Américaines ont un petit peu réduit l'écart. Il y a 34 à 26 pour nos Françaises. On est dans la huitième manche. Voilà, on vérifie si tout fonctionne bien. Le matériel. Et on repart. Allez, restez dans la partie. Voilà l'enjeu pour les Hongroises. C'est un peu le jeu du chat et de la souris là au niveau du score. Hein. Un coup, la Hongrie réussit à recoller un petit peu, puis le Japon qui reprend l'avantage, qui reprend l'écart. Un écart qui est pas énorme, mais qui est confortable quand même pour les Japonaises. Alors, c'est un peu énervé là du côté de Pastor. Elle a fait quoi ? Demande vidéo ? Demande de vidéo. Alors, demande de vidéo différente de l'individuel. Cette fois, on n'a qu'une vidéo par relais. Mais à chaque relais, on a forcément le droit de demander. Et par contre, on conserve ce système qu'on vous a expliqué hier si vous étiez avec nous. Si la vidéo demandée par la tireuse est changée et donc on donne... raison à la tireuse, la vidéo est conservée, comme sur cette action par exemple. Voilà, la vidéo a permis à l'arbitre de changer sa décision et de donner raison à la Hongroise. Elle conserve donc sa vidéo. En revanche, si elle a tort, elle perd sa vidéo. Voilà, elle conserve sa vidéo et est très important là dans ces derniers instants. Elle prend son point pour revenir à 5 touches de la japonaise. On va avoir... Voilà, une fin de match à suspense, hein, parce que derrière, on va avoir les deux numéros 1 qui vont s'affronter de chaque côté. Alors là, maintenant, on arrive au moment un peu important, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps dans ce relais, 30 secondes, 5 touches. Alors, cette action qui n'en termine pas. On a pris son temps pour essayer de toucher, c'est raté. Ouais, il reste là maintenant 24 secondes, donc 5 touches. Le choix est compliqué. Soit on va essayer de chercher pour encore essayer de réduire ce score et prendre le risque justement d'agrandir celui du Japon, ou alors on se dit 5 touches, allez, c'est faisable pour la copine. Et là justement, la Hongroise qui elle veut récupérer des touches et malheureusement qui se fait contrer pour elle. Allez, c'est le Japon qui... Malgré tout, 6 touches, ça reste largement remontable, ouais, on va dire, dans un dernier relais. Oui, largement. 6 touches en 3 minutes, c'est faisable en prenant son temps. Il y a déjà eu des scénarios bien plus fous auparavant. Voilà, par contre, je pense que dans le clan hongrois, on devrait dire à Pastor d'arrêter d'aller chercher parce que le score augmente. Et non, Pastor. Voilà, mais il y a aussi l'envie de bien faire. Forcément.
Et voilà. Et en l'occurrence, il y a de la crispation là du côté de Pastore qui quitte la piste. Alors, avec un écart favorable au Japon de 7 points. Je ne parle pas hongrois, bien sûr, hein, mais je me demande si elle n'a pas été pas informée justement du chrono. Elle avait l'air surprise que ça soit à la fin du relais. Et là, elle est en explication avec son coach. Peut-être pour dire pourquoi personne m'a informé que c'était la fin, justement pour ne pas prendre ses touches. Alors c'est une supposition bien sûr, hein, mais... En tout cas, on a senti oui une forme d'incompréhension là, dans la communication entre la tireuse et son clan. Alors qu'on se met en place pour le 9e et dernier relais. Vous l'avez compris, on n'ira pas aux 45 points, sauf surprise. Il reste donc 3 minutes de temps effectif. Qui va remporter la médaille de bronze ? Du côté des Hongrois, c'est la numéro 1 qui se présente. La numéro 1 hongroise, évidemment, Fanny Kreis, qui est 20e au classement mondial. Et du côté du Japon, c'est l'une des deux sœurs Azuma. C'est Sera, hein, Sera Azuma, qui est sous le masque et au fleuret pour essayer de consolider, voire de faire fructifier cette avance qui serait synonyme, au final, de médaille de bronze dans ce challenge international de Saint-Maur. Et Kreis qui met cette touche, qui vient même porter cette attaque. Franck Baudin, le coach français du Japon, qui demande à cette tireuse de sortir un peu la tête de l'eau, respirer, reprendre confiance en elle. Et c'est ce qu'elle fait tout de suite. Tout de suite. Elle vient placer cette parade riposte. L'Hongroise qui attaque, qui presse la japonaise dans ses 2 mètres. Et l'attaque japonaise encore une fois. Voilà, et là on a quand même deux tireuses qui sont dans le top 20 mondial, hein, individuellement, puisque Sera Azuma elle est à 14e. Et on l'a dit tout à l'heure, la Hongroise est 20e. Sera Azuma. Pardon. Non, l'action non valable de la Hongroise qui n'a pas réussi à toucher. Là, qui vient s'écrouler, elle a dû bloquer la cheville sur la piste. Ça n'a pas l'air très grave. Ouais, c'est ça. La France est en train de s'envoler vers sa 5e place dans ce challenge international. Il y a 43-33, piste bleue tout en bas à gauche de votre écran. Les Françaises sont même à une touche maintenant de remporter cette 5e place. Elles qui ont été battues tout à l'heure, on le rappelle, par la Hongrie. Au stade des quarts de finale, une défaite 45-38 face aux Hongroises. Et c'est fait, voilà, vous le voyez à l'image, l'équipe de France s'impose face aux États-Unis dans le match pour la 5e place. On peut donc finir la compétition en laissant un peu la grimace de côté, en mettant un peu plus de sourire. Terminer donc ces 3 jours de challenge ici avec une victoire pour les Françaises. On les voit, Pauline Ranvier, Solène Butruy, Isaora Tibus et Anita Blaz pour le quatuor français qui donc vient se placer à la 5e place. C'est pas suffisant, hein, pour se rassurer en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, on l'a dit tout à l'heure, parce que l'objectif aujourd'hui pour les Françaises c'était de terminer sur le podium. Mais évidemment, la France aura l'occasion de se rattraper lors des prochaines étapes. On l'a dit tout à l'heure, ce sera Katowice en Pologne. Il y aura également un Grand Prix à Turin. Et 2 autres étapes de Coupe du Monde, notamment du côté des États-Unis, du côté de Anaheim. Le sentiment, il doit être terrible. Pardon, je reviens sur cette 3e place-là. Le sentiment, il doit être terrible pour les Hongroises qui réussissent à recoller et puis derrière font 2-3 erreurs et sanctionnées tout de suite par les Japonaises. Ça semble quand même compliqué pour ces Hongroises de revenir, même s'il reste encore un peu de temps. La japonaise qui ne peut plus reculer là.
La petite tape amicale de Kreis qui se bat, qui se bat. Et pour le moment, qui n'y arrive pas. L'attaque, encore une fois, non valable. Pas de touche. Ça manque de précision tout ça. Elle enchaîne les touches hors de la surface valable. Et là par contre, cette action qui vient donner la 32e touche à la Hongrie avec ce fouet dans le dos. Allez, il reste plus que 1 minute 10, vous le voyez, de temps effectif dans ce qui est le tout dernier relais. Hein, dans ce match pour la 3e place. Hongroise qui avait crié avant même de vraiment finir son geste en pensant avoir trompé la japonaise, mais non. Ah, on sent de l'agacement quand même. Hein. Peut-être un peu de déception pour ces Hongroises. Forcément parce qu'elles sont dans le match, mais elles regarderont forcément aussi leur compétition ici avec le sourire, j'imagine, parce que on va venir battre la France sur ses terres en quart de finale, puis ensuite se hisser en demi. Alors certes, il y a eu cette lourde défaite 45-28 contre l'Italie, mais malgré tout la Hongrie, 11e nation mondiale, pourra rentrer au pays avec le sentiment d'avoir réussi quelque chose de très positif. Qui craque un peu là. Voilà, c'est compliqué. Hein. 8 touches, alors que vous le voyez, 37 secondes encore. Le Japon a un pied et demi sur le podium. Là, elle va commencer à ce qu'on appelle rusher son adversaire, lui courir un peu dessus pour enchaîner les touches. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Et il faut mettre des points. Mais. Les japonaises et Azuma sur ce dernier relais impérial, franchement, elle va chercher même les actions, la Hongroise qui lâche un peu, hein, qui lâche ouais. Un peu cette fin de match. Elle va peut-être y aller finalement au 45, Azuma. Allez, plus rien à perdre du tout là pour la Hongrie. C'est même totalement abandonné de la part de Kreis là. Et voilà. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Japon termine sur le podium de ce challenge international de Saint-Maur-des-Fossés. Une victoire 45-32 dans cette petite finale face aux Hongroises. La logique mondiale est respectée. Le classement mondial est respecté. Le Japon 5e s'impose face.